jeune participant du raid Périgord Aventure, ici, au fond du gouffre de Proumaïsac, vous venez de pénétrer dans le royaume du temps. Pendant des milliers d'années, les hommes se sont contentés de jeter des offrandes à la bouche du gouffre, et ce n'est qu'au début du XXe siècle que des explorateurs plus téméraires décidèrent de s'aventurer dans ce que l'on croyait être alors la cheminée d'un volcan. Parvenus sur un éboulis de pierre, ils ne tardèrent pas à dénicher tout un tas d'objets amoncelés là depuis des millénaires. À chaque strate, des témoignages de toutes les époques, compilés dans ce grand livre naturel élaboré par le temps. Parmi toutes ces découvertes précieuses, l'une d'entre elles réveilla une vieille légende, la légende de la cité perdue d'Albuga. L'examen détaillé d'une céramique a fait ressurgir cette vieille histoire qui avait été rangée au rayon des mythes digne de l'Atlantide. Au tout premier âge du fer, la tribu périgourdine d'Albuga, opposée à des envahisseurs fort menaçants, dut livrer un combat décisif pour conserver son territoire et sa culture. Victorieux, le chef d'Albuga plantant son épée à l'endroit même du champ de bataille. Et c'est dans le prolongement de cette épée salvatrice que fut construite la cité du même nom. Récemment, de nouvelles investigations archéologiques menées sur toute la vallée ont permis d'identifier une série d'amphores portant les mêmes symboles. Des indices qui confirment l'intérêt de la céramique du gouffre et qui relancent la recherche de la légendaire épée d'Albuga. C'est cette quête qui nous tendra. Et si depuis plus d'un siècle, nul n'a pu la résoudre, l'occasion vous est donnée de tenter votre chance. Maintenant que vous en savez assez, et avant que les ténèbres ne se referment derrière vous, sachez entendre ces derniers conseils. Ne vous découragez jamais, car jusqu'au bout de l'aventure, rien n'est perdu, rien n'est gagné, pour personne. Et n'oubliez pas, ce que vous allez entreprendre est sans commune mesure avec ce que vous avez déjà fait. Du fond du gouffre de Proumaïsac, le Périgord vous souhaite un bon raid aventure.